à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo où je vais vous montrer comment faire la vidange d'huile de ma moto. Donc je vais vous montrer voilà un petit établi que je me suis fait. Si vous voulez que je vous montre à peu près comment je l'ai fait, dites-le moi en commentaire. Donc pour faire la vidange de votre moto, il vous faut tout d'abord de l'huile normale pour mettre la nouvelle huile. Pour moi, une clé de 13 pour remettre l'huile et une clé de 8 je crois qui sera pour dévisser le vis de la vidange. Donc nous allons commencer par faire chauffer la moto en premier, une étape très importante. Donc je la faire chauffer à peu près 5 minutes. Donc voilà, je vais faire une pause et je vais la faire chauffer et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça y est, je l'ai fait chauffer. Alors tout à l'heure je me suis trompée, il faut que une clé de 13. Donc on va pouvoir dévisser le boulon. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, c'est le gros, celui-là là. Donc je vais le dévisser. Alors, donc je l'ai déconcé. Alors surtout mettre une gamelle en dessous. Mais ne faites pas tomber le vis. Donc je le dévisse. Hop là. Donc voilà, l'huile elle coule. Là, elle est vraiment très sale. Donc surtout, gardez bien le joint du vis. Voilà. Alors c'est de la lime, je crois que ça s'appelle, qu'il y a dessus. Surtout sur cela, c'est ce qui est bien sur les KTM, ça comme c'est monté, la lime elle vient dessus. Donc vous le lavez bien et surtout gardez le joint. Alors c'est bien de le changer, mais bon, c'est pas obligé. Donc vous laissez bien couler. Dès que ça coule de moins en moins, vous balancez la moto, enfin balancez, vous la baissez d'un côté, de l'autre, pour que ça coule bien. Et on se retrouve dès que j'ai lavé le boulon. Voilà, donc je l'ai lavé comme vous pouvez le voir. Je vais le remettre à son emplacement. Je m'excuse parce que ça va faire beaucoup de coupures. Je sais pas si ça va être bien pour la vidéo, mais enfin, après c'est trop dur pour faire tout en même temps. Donc j'espère que ça va pas vous déranger. Donc on va remettre le boulon dans son emplacement. On revisse. Mince. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Donc je vais le revisser. Et on aura juste à rajouter l'huile. A tout de suite. Voilà, donc maintenant nous allons re-remplir le circuit. Donc j'ai déjà dévissé ce boulon. On va devoir le nettoyer. Le joint, si vous en avez un autre, le mieux c'est de le changer. Donc moi j'en ai pas d'autre, je vais pas le changer. Voilà. Donc pour l'huile, moi j'ai pris celle-là. Voilà. Donc moi j'ai calculé, il faut 3 verres comme ça à la dernière ligne du haut. Voilà. Donc c'est parti, on va re-remplir. Alors surtout faites attention, allez-y doucement parce que sinon ça va déborder. Comme là ça fait.
Voilà, donc une fois que vous avez re-rempli tout ça, il suffit juste de remettre le bouchon. Alors, normalement, il me semble qu'il faut faire un rodage à peu près de 15 minutes. Mais si vous la faites tourner pendant 5 minutes, là, juste après, ce sera bon. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et lâche pouce bleu.